chez nous, oui. Il n'y a pas trop de problèmes. J'ai un groupe qui travaille, qui sait que c'est un déplacement très difficile en Turquie. On sait, mais on est assez confiant qu'on peut faire un bon résultat. Mais c'est toujours le petit bobo qui nous intéresse. Et certainement se préparer pour demain, l'entraînement et le voyage l'après-midi. Et dès que mardi, on verra le soir, hein, dans ce stade de Fenerbahçe. Ce sera un match dur, c'est ce qu'on sait, un match important aussi. Mais avec le favori de Turquie, mais on va jouer pour marquer un ou deux buts. Oui. Edin, c'est un bon collègue, un bon ami à moi, mais pendant les 90 minutes, on n'a pas des ennemis. Hein. Et certainement, on veut faire une surprise, mais on sait la valeur et la qualité des Turcs, ça c'est sûr. Vous venez d'arriver dans le groupe. Quelle est l'ambiance après la défaite contre l'Allemagne? Ouais, j'ai pas vu quelque chose de négatif après le match. Donc, je suis rentré hier soir. J'ai pas vu grand chose de ça. Donc, je crois que tout le monde est positif et tout le monde pense qu'ils ont joué un bon match. Je suis fier d'être ici avec l'équipe A pour jouer pour ton pays. C'est une grande honneur. Donc, je suis très fier que je peux jouer avec les Diables Rouges. Ouais. En Turquie, on peut s'attendre à un gros accueil des supporters. Il va y avoir une grosse ambiance là-bas. Oui, bien sûr. C'est tout nouveau pour moi parce que je n'ai jamais joué ou vu un match d'équipe A donc, comme joueur. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça, c'est encore. Il faut attendre qu'est-ce qu'on va recevoir là. Mais tout le monde croit que ça va être un stadion très grand et avec beaucoup de supporters. Donc, tout le monde est sûr que ça va être un match difficile, mais tout le monde veut gagner ce match.